C'est-à-dire que, quel que soit le projet qu'on a là, projet de voyage, projet de mariage, ok, projet pour une belle caille tout, projet pour vous améliorer, c'est pour ça que vous êtes un jeune. Et même normal à tout, vous avez une maladie qui a mangé, vous avez réussi, vous avez guéri, vous avez sauvé la maladie. À quoi physique là, parce que vous n'avez pas capé. Vous avez vu tout. Vous pouvez voir que Jésus va gêner son victoire pendant que tant d'ennemis vont tenter. Et nous-mêmes étant les hommes, tentation, c'est nos poches nous liées. Lui pour aller Luc 4, verset 2. C'est Albert. La tentation, victoire sur la tentation. Pas pour moi, il n'y a pas tenté. Pas pour moi, il n'y a pas tenté. Et mon Élise. Tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écroulé, il fut faim. Amen. C'est-à-dire que l'avantage que nous gagnons avec Patissa, nous avons que Adé a été tenté par Satan, ok, Satan a gagné. Mais heureusement, Adé n'a pas connu que si Jésus-Christ a fini, il n'a pas connu que Satan lui-même pas connu que nous connaissons le même russe là, que Badim prend Jésus avec tentation. Heureusement, Jésus dit non, ça va passer. C'est-à-dire que je dis à là, ou même qui ça s'est tenté, nous pas dit que on va tenter non, mais tentation, c'est lorsque vous faites la galère, ils venons pécher. Et bien tout, d'ailleurs. Parmi la vie chrétienne, son vie de combat. Son vie de combat. C'est avant qu'on rechute à New York, on va manger, on va courir, on va payer d'ailleurs qui a un problème pour dire, oh, je suis heureux de tout le monde que j'aime, non? Et pas chrétien ça. Parce que nous tous sommes des violents qui apprennent dans le ciel là. C'est-à-dire que tentation, ni en bas à pied ou. Tentation est la caille ou. Nous essayons même qui connaît la tentation ça a mené, on va quitter le tenter ou. La Bible montre moins bien que nous capables de dire où. Jeûne, c'est un lieu de formation. Jeûne, c'est un lieu pour rencontrer avec bon Dieu. Et bon Dieu, pas jamais dans le moment ça. Vous connaissez le rendez et nos corridors, tant que dernière année, et Bill Clinton, il a besoin, comment dirais-je, Cuba, Castro, mais là, il fait Castro, pendant Castro, passer dans le corridor, non, et puis ni faire comme si c'est passé de la passer, ni tout bail. Président, non, mais ça veut dire que je dis à la, pendant là, son lieu pour rencontrer avec mon Dieu, son lieu pour parler avec mon Dieu, quel que soit sonné comme secret dans le cœur, ou qu'a dit là, mon Dieu est là, la présence ou là, mon Dieu est là, parce que l'équipe était deux fois réunie, il là. Jeune, c'est mon côté pour venir comme si son bagage ou venir faire show off ou venir comme un ton blanchi. C'est comme quand un malheur écrit, l'Éternel entend et il le sauve. Je veux dire, son moment pour lui là. Son moment pour réunir mon Dieu pour dire mes problèmes qu'on vient de vendre. Ou quand vos problèmes dans le foyer, personne n'a fait rien pour vous, mais mon Dieu là. Bon Dieu là, tel que tu sais qu'à passer la caillou, dans la vie ou, dans le travail ou, dans l'activité ou garder le bon Dieu, même la Seigneur, m'a prêlé ou, et nous avons pouvoir pour prêlé ou, nous ne pouvons jamais quitter ou. Mais cependant, nous nous mêlons pas trop coûte, vous avez dit ça? Pas trop dur. Amen. Ça que vous avez dit de nous, Pasteur Alphonse? Amen. Dans chaque fois la foi au péché, c'est comme si nous avons recouru, bon Dieu, sur la croix. Parce que la croix, il supposait rester dans la vie, nous. Mais pas seulement pour dimanche pas. La croix supposait, nous sommes même bien à catholique, pour des croix sur nous. Mais à chaque fois, où tu as envie de faire un péché, en regardant la croix, on dit non, je ne vais pas faire mon Dieu dans ça. Et c'est pour ça que tu as la croix, pour les péchés. Mais si j'ai besoin de délivrance, si j'ai besoin de miracle,
c'est pas mon cap qui a pour moi, c'est Jésus-Christ. Parce que je me réveille, je me besoin. Mais ça ne fait pas qu'à réveiller. C'est parce que je me dis que je suis déjà là. On doit bénir nous. Amen. On avance. Un jour qu'il adorait ensemble le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit leur dit. Nous ensemble, depuis cette vie, par nous sommes des mouvements. Yes. Après, dis-le pour nous encore. Sans que vous attendez. Nous ensemble, nous l'église, nous même tout. Depuis cette vie, par nous sommes des mouvements. Moi, il va marcher. Parce que les jours, ça le jour, parce que vous n'êtes pas, il faut que je m'en aille. Je vais avoir une place pour vous. Et ma voyez. Il était la motivé, tu vas voir lui. Nous devons voir lui. Je veux dire à Martino, la présence du Saint-Esprit sur terre, c'est la force puissante de Dieu. Amen. Amen. Présence du Saint-Esprit sur terre, c'est la force puissante de Dieu. C'est-à-dire que si vous-même, je dis à là, vous sentez ou pas gagner cet esprit dans vous-même, vous sentez tout ça qui a passé. C'est la chair. Essayez-moi de bon Dieu, ça va passer dans vous-même. Essayez-moi de bon Dieu, ça va passer dans vous-même. Dans mes pasteurs Alphonse, où je lis pour moi dans Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Mais ça lui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire que si on nous rassemble, ce n'est pas mon coup de un message. Comment il va marcher? Et vous-même tout, si vous n'avez jamais entré en contact avec le Saint-Esprit, vous n'avez jamais entendu le Saint-Esprit qui a parlé avec vous, questionnez-vous. Parce que vous recevez une puissance. Yes, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh. Ah, mais la Bible dit que c'est en France. Alors vous-même étant chrétien, vous ne pas sentir cet esprit, vous ne pas jamais bon contact, vous ne pas jamais bon monde qui vient avec vous, vous ne pas chrétien parce qu'en France. Parce que j'aime dit nous, combien de façons que bon Dieu peut aller avec nous. Mais bon Dieu va parler avec la chair. T'en pas connaît. C'est là. Oui. Et vous faites ça, parce que vous n'êtes, il répète dans combien l'église? Le Saint-Esprit, si vous dites les oreilles, tendez ça, esprit a dit l'église. Le chiffre 7. Ça, chiffre 7 taille encore. Perfection. Amen. Il répète maintenant 7 fois dans la Bible là, vous dites les oreilles. Et vous dites les oreilles, pour gagner les oreilles spirituelles là. Parce que les trompettes spirituelles là sonné. C'est vous dites les oreilles spirituelles, capitaine. Attendez. Amen. Et bien, j'ai appliqué à tes voix dans les oreilles, non? De chercher à comprendre, de chercher à faire volonté de Dieu, de chercher à connecter avec le ciel, parce que nous l'aimons en Christ. Ah bon? On est dans une église, on pompe dans l'église, c'est l'amour en Christ, oui. Je dis à mon dernier, mais pendant Chita là, à peu de monde qui est dans la salle, pour fier. Que ou là, par exemple, le monde qui a vu nous avancer, qui a vu nous oreiller, qui a vu comment était habillé, qui a vu comment était la parler, nous avons mis son, nous avons fait comme quoi nous allons. Non, je veux dire là, nous avons contact avec le ciel, ou vous avez des livres, ou vous avez cherché. Ni là, parce que nous avons deux ou trois réunis là. Ça veut dire que c'est ça nous besoin.